incredible. Punish yourself. Bitch, it's the show. So put your hands up, raise your eyes, and prepare yourself to die. Attention, objets visuels non identifiés. Punk dans l'âme, métal dans les oreilles et techno dans les couleurs. Des ingrédients qui n'ont pas changé depuis leur début dans les années 90. Depuis, Punish Yourself et leur rock apocalyptique a enchaîné les plus grands festivals d'Europe, plus de 600 concerts déjantés et autant de raisons de faire la fête. Nous, on s'inscrit dans une bonne vieille tradition du rock d'épouvante. Qui a été décliné de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà, et c'est quelque chose, c'est du fun au départ. Quoi. Il s'agit pas, on n'a jamais pris ça, on n'a jamais pris ça au sérieux. Quoi. On a toujours été plus, comment dire, fan des Cramps que de Marilyn Manson. Quoi. Également à des années-lumière de Johnny Hallyday ou Madonna, les Punish Yourself ont en commun ce goût pour le grand spectacle. Plus qu'un concert, un cirque où se mêlent pyrotechnie et danseurs-performeurs, le tout dans un univers glam et morbide. On n'est pas du genre à préparer les choses vraiment à l'avance. On garde un côté quand même très improvisé, très spontané. J'aime pas quand on nous parle de mise en scène, c'est pas... Ce qu'on fait, ça reste, on a un canevas, mais alors après, c'est... Chacun part dans son délire, et voilà. Et déjanté comme dans les films de Russ Meyer, sombre et glauque comme les zombies de chez Romero. Après autant d'extravagances, les Toulousains de Punish Yourself n'ont toujours pas fini de surprendre et d'innover. Ah ouais, faire un bon concert avec les chœurs de l'Armée Rouge, ça me botte très bien, ça, par exemple. Ça va pas tenir ici. Ou alors vraiment les chœurs de l'Armée Rouge en petite formation. Mais ouais, voilà, ouais. Le grand orchestre, des bombes qui explosent, des mitraillettes.